Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon des pros de la souris. Après le grand succès de l'histoire de Bob et Alice, vous étiez nombreux à nous demander comment protéger votre ordinateur et vos fichiers contre les virus informatiques. Alors pour mener à bien cette mission, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du roi Gigaoctet. Il était une fois, il y a très très longtemps, dans un univers virtuel, un royaume qui s'appelait le royaume du PC. Ses sujets vivaient paisiblement sous la gouvernance du roi Gigaoctet. Ce roi tant aimé par son peuple habitait dans le château Windows avec sa femme, la reine Cartemère. Cette dernière avait caché au fin fond du château, dans une chambre secrète, un trésor. Plus précisément, des choses de valeur à ses yeux. Il y avait sa collection complète de chaussures, quelques photos de son mariage, sa carte bancaire et l'intégralité de sa bibliothèque musicale. Sur les terres de ce royaume, tout le monde était honnête. Donc, la reine avait jugé que ce n'était pas nécessaire de protéger son trésor par un gardien. Aux frontières de notre paisible royaume du PC, il y avait les terres inconnues. Et comme leur nom l'indique, on ne connaissait pas grand-chose de ces territoires, car ils étaient le théâtre privilégié des brigands et des pirates. Pour garder ses malfrats à l'extérieur du royaume, le roi Gigaoctet fit construire une clôture et posta deux gardes à l'entrée de la ville. Les habitants était rassuré. Comme chaque année, le roi Gigaoctet organise une grande fête pour l'anniversaire de la reine Cartemère. Mais cette année, pour faire plaisir à sa femme, il décide d'inviter les monarques des royaumes voisins. Le jour J, pour impressionner ses convives, la reine les emmena visiter son trésor secret dans la chambre secrète. Parmi ses nombreux visiteurs, il y avait le prince Sarko Malefico. D'apparence anodine, ce prince était diaboliquement envieux des trésors et des terres du royaume du PC. Profitant de ce moment de détente festive, il inspecta les lieux pour repérer les failles de sécurité. Dès son retour à la citadelle, le prince Sarko Malefico élabore un plan pour s'emparer du château Windows. Alors, il confie cette tâche au général Alerte au feu. La spécialité de ce grand guerrier est de profiter des failles de l'adversaire pour introduire son armée et paralyser sa victime. Aussitôt dit, aussitôt fait, le général Alerte au feu cible directement avec son armée la faille repérée par le prince Sarko Malefico. L'invasion a commencé. Petit à petit, les soldats malveillants commencent à occuper le terrain à l'intérieur de la cité. Alertés par les nombreuses nuisances provoquées par le général Alerte au feu et ses soldats, le roi Gigaoctet devait réagir. Il n'avait plus le choix. En catastrophe, il décide d'embaucher un super guerrier pour le débarrasser de ce fléau grandissant. Un seul soldat était capable de remplir cette mission. Et il s'appelle Pare-feu.
Adrien, j'ai pas mal. Pare-feu comble toutes les brèches et évite la prolifération des soldats d'alerte au feu. Isolés et affaiblis, ils sont vaincus. Comme d'habitude, le guerrier pare-feu remporte la bataille, sans grande surprise d'ailleurs. Bah oui, c'est normal, il est américain, quoi. Après cette défaite cuisante, le prince Sarko Malefico était furieux. Très, très, très furieux. Mais il ne renonce pas à son objectif diabolique. Au contraire, il décide de changer de stratégie. Il utilise sa nouvelle arme, le géant vert. Oh, oh, oh. Géant vert. Non, pas celui-là. L'autre. Le géant vert. Tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. Eh ben, le géant vert adopte la même stratégie pour vaincre ses ennemis. Le prince Sarko Malefico, prétextant vouloir remercier le roi Gigaoctet et sa femme pour leur réception, leur envoya un cadeau. Un énorme bouclier fiscal. Avec la devise du prince Sarko Malefico gravé dessus. Travaillez plus pour gagner plus. Mais le plus important était que son arme secrète, le géant vert, était caché à l'intérieur. Les deux têtes couronnées du royaume du PC étaient très flattées par ce présent, mais ils ignoraient qu'il était empoisonné. La nuit venant, le géant vert sort de sa cachette et commence à ouvrir les portes de la ville pour lancer l'invasion. Réveillé par l'alarme de la porte qui s'ouvre, le pare-feu demande la confirmation au roi Gigaoctet. Ce dernier clique sur « non ». Alors le pare-feu déclenche une attaque foudroyante et par la même occasion capture le géant vert. On a effleuré la catastrophe. Mais c'est encore une défaite pour le prince Sarko Malefico. Le lendemain, le roi Gigaoctet convoque son gouvernement. Et il décide de renforcer les mesures de sécurité. Il décide aussi de couper toute relation avec le prince Sarko Malefico. Mais ce dernier, indécrottable, ne s'avoue pas vaincu. Et dans un dernier état de désespoir, il fait appel à la sorcière Calamité Marine. Cette arme de destruction massive a été inventée dans les catacombes du Front National par l'ogre JM. Calamité Marine, après avoir étudié le terrain, constate que la sécurité terrestre a été renforcée et qu'elle est quasi inviolable. La vilaine sorcière décide alors de changer de tactique. Elle lance une attaque maritime via l'océan Internet. Calamité Marine entame son voyage à bord d'une petite embarcation. En arrivant au port du WWW, elle débarque discrètement, profitant de l'obscurité, et elle commence à exercer ses talents maléfiques. Elle hypnotise les citoyens pour les dresser les uns contre les autres. Elle leur dit « La source de vos malheurs, c'est les Roms, les Noirs, les Arabes, les Juifs, les pauvres, les chômeurs, les immigrés, les jeunes, les fumeurs, les automobilistes, les musulmans, les Européens, etc. etc. » Les pauvres habitants du royaume du PC commencent à se méfier les uns des autres. Après la méfiance, la peur s'installe
et enfin la violence se déclare. Le pare-feu était incapable d'identifier l'agresseur, puisqu'il s'agit des propres citoyens de la cité. La destruction et la guerre civile font rage. Il ne reste presque rien de cette civilisation. Le roi Gigaoctet et sa femme sont contraints de s'enfuir du château en emportant leur trésor et le plan de la ville pour pouvoir la réinstaller et la restaurer dans le futur. Avec beaucoup d'émotion, le roi Gigaoctet, pour éviter la contamination de toute la planète par ce fléau, il fait appel à Formator, un robot super perfectionné qui vient du futur et qui a la capacité de formater toute la ville du PC et par la même occasion d'exterminer le virus calamité marine. Un tas de ruines. C'est tout ce qu'il reste de l'ancienne ville. Formator a bien fait son travail. Mais grâce aux sauvegardes faites par le roi Gigaoctet, la ville sera réinstallée et restaurée comme avant. Et elle retrouvera toute sa gloire passée. Le prince Sarko Malefico, à cause de ses actes, a perdu toute sa popularité. Pire encore, il est même détesté. Il dégringole dans tous les sondages et perd les élections en 2012. Ainsi s'achève notre récit. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire est que le ver informatique est un logiciel malveillant qui n'a pas besoin d'un programme hôte pour se reproduire. Il profite des failles et des ressources de l'ordinateur infecté pour se propager. Pour le combattre, il faut avoir un bon pare-feu, un antivirus et effectuer les mises à jour des failles de sécurité de Windows. Il faut retenir aussi que le Cheval de Troie est un logiciel malveillant d'apparence légitime, un jeu par exemple, une mise à jour, un test de personnalité, etc. conçu pour exécuter des actions à l'insu de l'utilisateur. Et le remède, il faut avoir un bon pare-feu, un antivirus à jour et beaucoup de méfiance sur Internet, notamment les sites web et les emails. Sans oublier bien sûr le redoutable virus informatique, qui est un logiciel malveillant conçu pour se propager à d'autres ordinateurs en s'insérant dans les programmes légitimes appelés HOT, les programmes que vous utilisez tous les jours. L'antidote est un bon pare-feu, un antivirus à jour et effectuer toutes les mises à jour des failles de sécurité et se méfier énormément sur Internet et avec les clés USB. N'oubliez pas aussi de faire des copies de sauvegarde de vos fichiers personnels les plus importants, photos, documents, etc. sur plusieurs supports de stockage. CD, DVD, clés USB, disques durs externes, etc., etc., afin de ne pas les perdre en cas de panne ou d'infection grave de votre PC. Pour créer les DVD de restauration de votre système d'exploitation et vos programmes, il faut avoir plusieurs DVD vierges. Ensuite, cliquez sur le bouton « Démarrer », le panneau de configuration et dans l'encart Système et sécurité, cliquez sur Sauvegarder l'ordinateur. Une fenêtre s'ouvre alors et il faut cliquer sur Configurer la sauvegarde. Et là, vous vous laissez guider, c'est très simple et très facile. Enfin, après un formatage du disque dur, suite à une panne ou un problème, utilisez les DVD de restauration pour récupérer votre ancien système d'exploitation et les programmes installés.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur le site internet pro-souris.fr, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube. Bonne journée et au revoir.